that book de ti ame tore da kingbe la yeji. Nous allons faire trois requêtes de prière avant de continuer. Bon, mais de coucou, ne me dis pas de la fin. Je t'en supplie, je ne vais pas te prendre assez de temps. Allez, que tu n'as pas de la fin. La manière dont tu dois prier, prie. Blanc, mais je vois. Dis éternel. Allez, il est tué et belé à le bon sang de la. La manière dont on saute de saint deuxième mois fini. Ne me mets nous pour dire au problème pas de mes. C'est ainsi que les malheurs finissent dans ma vie. Et nous me glorons pour la dernière. Les malheurs finissent dans ma vie. Tout le temps, pour la dernière. Cela finit pour les ennemis dans ma vie. Vous allez déjà rencontrer des sororités. Mais dans ce nouveau mois,
Le grand temps de cette année dit, dit tu as accéléré. Dit tu as accéléré. Le nouveau monde dans lequel nous rentrons. Ferai ma vie, tu as accéléré. Je suis sur le présent. Et ce troisième mois. Ferai ma vie, tu as accéléré. Ferai ma vie, tu as accéléré. Ferai ma vie, tu as accéléré. Si j'étais à ta place, j'allais encore acclamer. Si j'étais à votre place, j'allais encore acclamer. Car quelque chose s'est déjà passé. Amen. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Groupe pour la prière nationale et internationale. Les membres du groupe la prière nationale et internationale. Partenaire le Testimony TV Togo Play Testimony Radio. Nos partenaires de Testimony TV Togo Testimony Radio. Missionnaires, nos missionnaires, nos diacres, nos diaconés, les anciens, anciens, les ministères non ordonnés. Que Dieu bénisse tout le monde. Chaque nouveau mois, il va falloir que toute sœur vienne prier. Raison pour laquelle Esaïe 66 verset 23 l'a dit. Eh ben, quand chaque nouvelle lune et chaque sabbat arrivé, quand tous sœurs viennent se prosterner devant lui. N'oublie jamais cette parole. Chaque nouveau mois et chaque sabbat arrivé, quand tout ça vient se prosterner devant lui, c'est lui l'Éternel qui le dit. Si l'Éternel t'a dit quelque chose, il faut l'appliquer. Certains aujourd'hui, ils laissent passer les nouveaux mois. Ce n'est pas ce qui est bon. Et chaque nouveau mois a quelque chose. Et ce qu'on met dedans, la chose est très lourde. Et il y a des choses précieuses dedans. Si tu as tu restes dans les mois et tu pries, tu verras que le mois va te donner quelque chose. Ma prière pour toi, c'est que bientôt tu verras. Des problèmes vont venir. Des douleurs viendront. Des chômages ou bien des licenciements viendront. Et des prisons de foyer viendront. Des problèmes d'accident. Pourquoi? Tu n'as pas préparé la guerre. Celui qui prépare la guerre, il n'est jamais vaincu par la guerre. J'aimerais te dire, les prières que tu avais faites, c'est ce qui fait que tu es toujours vivant. Les ennemis se revendent tout nous. Tout est pire.
Certains sont nés dans certains mois. Alléluia. Amen. Et pour bien analyser cela, je l'avais dit tantôt. Il y a des jours qui passent. Il y a des semaines qui passent. Mais pour fixer le nouveau mois et le premier jour quand tu te lèves, non, pas moi, c'est plus toi. Si tu bois sur les carrefours, les enfants ont ça. Plusieurs chrétiens ne comprennent pas ce sacrifice. Alléluia. Amen. Mais quoi? Cela veut dire la dernière fois que tu vas passer sur le carrefour et ils vont retirer quelque chose en toi. Tu amènes certaines personnes sur la terre. Et Dieu a de bons projets sur leur vie. Alléluia. Amen. Puisque les pétitions ne peuvent pas avoir cela, ils font tout pour retirer la pétition de Satan pour donner à d'autres personnes. Vous, certaines personnes, vous avez passé sur certains carrefours, et c'est là qu'on a retiré vos choses. Ce que vous deviez être, quelqu'un d'autre l'a arraché. Alors, ce nouveau moi, si tu avais retiré pour toi, Amen. Il n'y a jamais rien sur toi que le pote qui se glisse.
J'aimerais te dire, sous terre sur laquelle tu mettras ton pied dans ce nouveau mois, alors cette terre te donnera des biens. Tes pas vont provenir la grâce. Tes pas vont provenir l'abondance. Amen. Amen. Sautons, lisons la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 26, verset 12. Que quelqu'un me rappelle le thème. Le thème c'est quoi? Le thème c'est. Je m'adresse à toi.
le moment où j'ai grandi spirituellement, alors si j'étais fidèle, personne ne sera dans une église à recevoir des choses plus que moi. On dit quelqu'un a sauvé sur cette même terre, mais c'est lui qui a recueilli. Tu dois saisir cette parole à moi. Et tu, je ne suis plus encore à cette terre. Là où les gens étaient, ils n'ont pas prospéré. Moi, je dois prospérer. Vous oubliez quelque chose. J'ai l'habitude de dire sera ici. Si nous le disons peut-être après ça quitte encore cette pensée. Moi, cela ne va jamais quitter mes pensées. Je me tiens beaucoup sur cette parole. Bien-aimé. Vous les ouvriers. Vous les travailleurs, les ouvriers. Tout ce que tu fais comme activité. Si j'ai quelqu'un qui comprend la parole de Dieu, tu ne seras nulle part et quelqu'un va te dépasser. Et que les étrangers aussi l'écoutent. Il n'y a rien ou bien il n'y a nul endroit sur cette terre où tu iras et dire que toi tu n'as pas prospéré là-bas. Et ceci, est-ce que tu écoutes? Écoutez bien cette parole. Écoute bien. Chrétien, écoute-moi. Il n'y a nulle part où tu iras et tu n'auras rien là-bas. Alors tout, dans tout, ou bien le dernier village où tu iras, tu vas moissonner des choses là-bas. Si tu es togolais, tu es l'étranger, tu te dis non, cela est très difficile dans ce pays-là. Hein. Tu es dans quel pays? Tu n'es pas dans un autre pays. Tu ne sais pas que la terre t'appartient. N'est-ce pas? Tu as bien dit que partout tu mettrais la plante de ton pied, quand tu le rendras, tu seras dans le marché. Dans le marché. Les gens vont vendre. Et c'est à toi qu'on a de la puissance. Les gens vont prendre des gris-gris. Et ils vont travailler. Quand tu seras dans le boulot. Les gens vont faire des salaires. Non. Non. On dit tout le monde. Vous posez la plante de vos pieds. Je vous le rendrai. Ce n'est pas tout. On a donné la promesse aux descendants d'Abraham. Que lui ci n'est plus là. Alors qu'il a accompli la promesse à sa descendance. Qu'est-ce qui est la promesse? L'Éternel dit qu'il donnera toute la terre à sa descendance. Toute la terre. Agbata. Ça m'appartient. Toi aussi. Ça t'appartient. Abeposo. Ça t'appartient. Il dit, je rendrai toute la terre à toi et ta génération. Partout où tu te rends, dis que c'est la terre de mon père. Toi, tu iras quelque part. La chose à te dire. Amen. Arrivé quelque part, tu vas prendre cette parole et dire, ah, puisque toute la terre m'appartient, c'est pas que je vais faire pour frapper, que ça s'ouvre pour moi. Tu vas même pas prier, mais ça va s'ouvrir car cela t'appartient. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux aller dans le dernier village et tu vas prospérer là-bas. Regardez, quel faut être à Pauvé, ce village-là. Ce petit village. Mais les choses se produisent là-bas. Des milliers, milliers, milliers de personnes. Des milliers de personnes viennent. Bien aimé. Et toi tu es en ville. Et ouvris ta boutique et étaler ta marchandise. Et la mouche même ne passe pas. Dis, ça s'arrête. Cette parole s'arrête. Rappelle-toi, distance s'arrête. La terre ne t'appartient pas. Là, tu as ouvert ta boutique. Et le grand marché ne t'appartient pas. Le grand marché ne t'appartient pas. Là, tu as ouvert ta boutique, ne t'appartient pas. Là, tu as pour toi. Dis ça s'arrête. Dis ça s'arrête. Qu'est-ce
changer vos mentalités. Alléluia. Amen. Ok. Regarde ici. Nous savions bien qu'avant de créer un marché, il y a des cérémonies. Ça ne te concerne pas. La Bible dit, partout où vous mettrez la plante de vos pieds, on vous le rendra. Il peut faire des cérémonies n'importe comment dans le marché. Ça ne te concerne pas. Quand toi tu rentres dans ce marché, et la puissance, ces puissants vont mourir. Et toi, tu vas régner dans le marché. En présent, lorsque vous irez au marché, l'éternel vous est là dans le marché. Lorsque vous irez dans le marché, et les garçons se produisent dans vos vies. Et les clients vous envahissent. Amen. Dis à quelqu'un, ça c'est déjà accompli. Voilà, Babé FM est bon. Dis à quelqu'un, ça c'est déjà accompli. Dis à quelqu'un. Est-ce qu'il y a encore une chose sur toi qui se glisse? Alléluia. Amen. À la fin tout à l'heure, salue quelqu'un et dis-lui qu'il n'a jamais rien sur toi que porte qui se glisse encore. Amen. Bien-aimé. Partout où tu iras dans ce mois, on l'a foué. Tu vas le recevoir. Je dis, on m'a foué. Tu ne vas même pas frapper la porte avant que ça ne s'ouvre. On m'a foué. Tu ne vas pas frapper la porte avant que ça s'ouvre. Alors, au nom de Jésus, reçois la clé de ce mois. 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 Reçois et ouvre la porte. Reçois et ouvre la porte. Je te remercie. Que tu me conduis dans le nouveau mois. Le troisième mois. Je le rachète avec le sang de Jésus. Je le rachète à mon mari, ma femme. Je le rachète à mes enfants. Ce troisième mois. Je le rachète avec le sang de Jésus. Je le rends dans la prière. Je le rachète le troisième mois avec le sang de Jésus. Ne vous amusez pas avec la prière du feu du mois et la prière du nouveau mois. Prie. Dis à l'Éternel. Ce mois, le mois dans lequel tu rentres, tu le rachètes avec le sang de Jésus. Tu le rachètes avec le sang de Jésus. Le plan de l'ennemi n'aura pas lieu. Mais si tu rachètes tout le mois avec le sang, même si les ennemis se révoltent dans quoi que ce soit, ça n'aura pas d'effet. Mais prie et rachète le mois avec le sang de Jésus. Si tes enfants ne sont pas nombreux, appelle-les un à un et rachète les nouveaux mois avec le sang de Jésus. Mais je les rachète à tous ces fidèles. Les rachète à la famille chrétienne. Ceux qui se sont unis à nous en esprit. Les membres du groupe pour la prière nationale et internationale. Les anciens de cette église, tous les ouvriers. Je rassemble tout le monde pour avec le sang de Jésus. Les hommes de Dieu dans le groupe. Je rassemble son nouveau moment pour avec le sang de Jésus. Je rassemble ma femme et mes enfants. Aucun malheur n'arrivera dans ce mois. J'écouterai les paroles de bénédiction dans ce mois. J'écouterai les paroles d'avancement dans ce mois. Éternel, je rachète le vent avec le sang. Je rachète les tiens. Je rachète les secondes. Je rachète les minutes. Je rachète les heures. Je rachète les jours. Je rachète les semaines. Tout le mois, je le rachète. Je ne me prie et rachète le mois. Le minute,
Mais
temps. Tu as troisième mois. C'est Jéhovah avec toi. Écoute la voix de l'Éternel. Et donne-moi tous les biens. Dis-lui de l'écouter la voix de l'Éternel. Appelle. Il faut le commander. Appelle. Commande-le. Appelle. Il faut l'ordonner. Ordonne-le. Tu se t'entends. Au troisième mois d'écouter la voix de l'Éternel. Voici ce qu'est la parole. Tu t'as ordonné avec autorité. Tu as troisième. Écoute la voix de l'Éternel. 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 Tu dois me donner les biens. Écoute la voix de l'Éternel. Tu dois me donner les biens. Tu dois me donner les biens. Écoute la voix de l'Éternel. Je t'entends. Tu as troisième moi. Écoute la voix de l'Éternel. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Si le nom de quelqu'un sera élevé, ce sera mon nom qui va s'élever en toi. Ce sera mon nom qui va s'élever en toi. Si une grand-père va s'ouvrir pour quelqu'un, ce sera moi que cette grand-père va s'ouvrir. Tout sacrifice. Quoi tu vas raconter quelque part? Alors ce ne serait pas contre l'une de ces sacrifices. Non, vous ne comprenez pas. Non, bien aimé. Un petit ne va pas déposer un sacrifice quelque part et toi tu vas être touché par cela. Ah, voilà. Non. Ah, 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 ah. Non, non, non. Tu vas tirer à l'Éternel. Si tu dis bien cela, c'est ce qui fera que quand tu retrouves un sacrifice, tu vas seulement sourire. Ils ne vont pas arracher ta bénédiction. Aucune personne n'a retrouvé ta bénédiction. Dieu éternel, dans son nouveau moi, tout sacrifice qui va me rencontrer, ce sacrifice ne va pas me toucher. Interdit tout sacrifice. Tout un refus. Tu vas recevoir un complot sur toi. Quand tu vas encore sortir dans ce mois, rien ne va changer. Il faut le commander. Interdit ce carrefour. Interdit ce carrefour. Interdit ce sacrifice. Tout sacrifice que quelqu'un va faire pour retirer la bénédiction des gens. Retirer la bénédiction des gens. Ce sacrifice ne va pas œuvrer sur moi. Ça ne va pas œuvrer sur mes enfants. Prie que ce sacrifice ne va pas te toucher. Aucun carrefour ne va recevoir un complot. Aucun carrefour ne va recevoir de complot. Mais plus fortement. Et dans les nouveaux, il faut des sacrifices sur les carrefours. Il ne soit la personne des gens. Mais prépare le coup. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tous ces esprits qui œuvrent dans le sacrifice, il doit se mettre à genoux devant toi. Tu le mets à genoux. Celui qui prépare la guerre n'est jamais vaincu par la guerre. Celui qui prépare la guerre n'est jamais vaincu par la guerre. Il me met tous ces esprits à genoux. Les esprits qui vont recevoir des complots. Dans ce nouveau mois. Les esprits de carrefour. Esprits de carrefour. Allez à genoux. Les esprits de obéir à l'Éternel. Ces esprits d'écouter la voix de l'Éternel. Même si vous avez la
parlerai pas sur les gens. Vous n'aurez pas un peu sur moi. Vous n'aurez pas un peu sur mes enfants. J'entends la voix. Quelqu'un va faire un vœu que ta vie soit détruite. Je t'en supplie. Je ne parle pas vainement. Je ne parle pas vainement. Dites Éternel. Celui qui va faire un vœu pour sur moi. Ça sera un mauvais vœu qu'il va faire. Si ça va, qui se déshabille. Priez, priez, priez. Quand celui-là se déshabille, il va être fou et va revenir. Bye-bye.
Tout l'an qui m'amènera justement. Si ça va de moi pour mon seul marché. Lui on te lui tomber. Si quelqu'un prend son miroir. Quand on prend son radar. Quand on prend sa télévision. Pour me voir dedans. A pipi mon égba. Son miroir se casse. Nous allons faire la dernière requête. On va dire à l'Éternel. Nous allons tendre un piège dans le moi. Tout serpent qui avale. Tout méchant. Quand il faut des mauvaises pensées. Ils seront attrapés par le piège. Il y a certains qui pensent que c'est le piège Chanel. Tu peux le voir comme un piège physique. Hey. Si tu fais bien cette prière, si quelqu'un hasarde encore, et il fait une mauvaise pensée en appelant ton nom, et il va sentir un souffle dans ses oreilles. Alléluia. Amen. Quand on dit de tendre le pied, c'est un pied spirituel. Quelqu'un dans le boulot. Quelqu'un dans la maison. Quelqu'un dans le quartier. Quelqu'un dans le marché. Tous ceux qui vont se lever. Ils envoient des serpents spirituels. Ils avalent vos bénédictions. Si vous encore hasardez, ils seront attrapés par le pied. Dans ce mois, tout esprit, tout être humain, vous pouvez encore oser, vous faites des mauvaises pensées, vous faites toutes les choses sur ma vie, cette nuit, en acceptant le pied spirituel, et je paie à Jésus Christ, mais pas les Saint-Esprit Christ, si quelqu'un hasarde, vous faites toutes les choses sur moi, vous faites la peur pour moi. Et au nom de Jésus.
encore ou je t'en supplie, lève tes deux mains. Et tu vas te retrouver dans le nouveau moi. Si mele Jésus ba oublaya. Ce moment se tient le manteau de Jésus. Voici. Cette fois-ci.
Ça n'a plus cette glissé pour toi. Ma baguette n'a pas bédé. Ça n'a plus cette glissé pour toi. Ma baguette n'a pas bédé. Ça n'a plus cette glissé pour toi. Le Saint-Esprit a béni quelqu'un. La bénédiction de ce mois. On l'appelle la bénédiction pure. Celui qu'on va bénir. Saint-Esprit. Élève quelqu'un. Saint-Esprit. Élève quelqu'un. En ce mois. En ce mois. En ce mois. Saint-Esprit. Élève-le. 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 Saint-Esprit. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Ta maison s'ouvre. Le titre de l'Ebe Yahira. La maison du titre de moi. Yahira Mania Glon. Bénédiction inédite. Bénédiction inédite. Dans ce mois. L'Éternel promet. Et le don de toi. Il fait la promesse de travail. Il va bénir quelqu'un. Je ne connais pas la personne. Si la personne est parmi les gens. Si c'est tout. Saint-Esprit. Bénis-le. Bénis-le. Saint-Esprit. Bénis-le. 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 Saint-Esprit. Ma lo kabala ba sekete. Satamaya mama. Le kama sataya mama. Karabaya baba. Hey, Tifila. En ce moment. 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 Améliore mon jaira. Ce que Dieu m'a béni. Le tia me béni amélégon. J'ai pas de ce mois. Le tia me to. J'ai pas de ce mois. Le tia me to. Bénédiction de ce mois. Améliore mon jaira nona. Alors ce dont l'on sera élevé. Améliore mon jaira toa intina. Ce dont Dieu va changer leur histoire. Je parle de ce moi. Si c'est toi, Saint-Esprit, je veux le reconnaître. Reconnaître la personne parmi les gens. Mandarabaya. Saint-Esprit, marche vers lui. Impose-lui la main. Parce qu'il bouleverse-le. Ils sont de ce moi. Ceux qui sont bénis dans ce moi. Saint-Esprit, impose-lui la main. Ce n'est pas moi qui bénis le monde. Choisis-le. C'est élu à où? Le lit de ce mois. Celui qui va sortir va retrouver le bonheur. Il va sortir et rencontrer le bonheur. Il a amené le bonheur. Il va amener le bonheur dans la maison. C'est parmi les hommes. Parmi les femmes. Les jeunes hommes. Les jeunes filles. Saint-Esprit. Choisis-le. 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 Oui. Bam, 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 bam. Saint-Esprit bouleverse les gens. Yahira. Bénédiction. C'est la paix sur toi dans ce mois. C'est la paix sur toi dans ce mois. C'est la paix sur toi dans ce mois. 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 La bénédiction abonde. Elle abonde. Elle abonde. Elle abonde. Elle abonde. Elle abonde. Les hommes n'ont pas l'imaginer. Les hommes n'ont pas le croire. Les autres. Troisième mois. On sera élevé. On sera élevé. On sera élevé. On a dit un petit s'est élevé. Où est ce petit? Où est celui-là? Là qui va se mêler là. Où est celui-là? Où est celui-là? On a dit un enfant s'est élevé. Un enfant s'est élevé. Surveillez-le. On a dit un petit s'est élevé. Un petit s'est élevé. Petit s'est élevé. Où est ce petit? Où est cette femme? Où est cet homme? Saint-Esprit. Amène-le. 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 Amène-le.
J'entends la voix qui dit qu'il est béni depuis le sein de sa mère. Il a béni tout dans ma domaine. Il est béni depuis le sein de sa mère. Mais les personnes qui sont dans sa bénédiction ne se veulent pas encore voir. L'Éternel dit à celui-là que dans ce mois, lui le Dieu qui le fait, il te le fera. Il te le fera. Si tu sors dans ce mois, tu vas revenir avec le miracle. Dans ce mois, que le vent te bénisse. Que la pluie te bénisse. Que le soleil te bénisse. Que le jour te bénisse. Que la nuit te bénisse. Toute porte que tu vas frapper. Que ça passe sous pour toi. Tu tu poseras ton pied. Et que ce lieu t'appartient. La porte qui n'est jamais s'ouvrir pour quelqu'un. Ce pas va s'ouvrir devant toi. Ce pas va s'ouvrir devant toi. Que les épices te bénissent. Que les allemands te bénissent. Que les épices te bénissent. Que les autres te bénissent. Que la mer te bénisse. Que la mer te bénisse. Que la ville te bénisse. Que la ville te bénisse. Que tu le pâtisses. Que le boulot te bénisse. Que la rue te bénisse. Que le boulot te bénisse. Que le boulot te bénisse. Hazon. Prison. Sans prier, le tien, va. La clé que ce mois apporté. Le soir t'a parmi les gens. On s'enflé, le soir ta clé. Anni, la clé du terrain. Après, la clé de la maison. Et vous, la clé de la voiture. Clé d'une grande boutique. Ta boutique n'est pas encore grande. Ta boutique va encore s'élargir plus que cela. Tu vas distribuer des choses aux gens. Tu vas vendre des choses en gros. Tu vas vendre des choses en gros. Le soir. Quelqu'un va vendre des choses en gros. Les choses vont vendre en gros. C'est dans ce mois que ça va se produire. Que ça se produit dans ta vie dans ce mois. Ça se produit dans ta vie dans ce mois. La clé. La clé. La clé de l'emploi. La clé des clients. Le soir. Reçois. La clé d'un nouveau client. La clé de la voiture. Reçois la clé de la voiture. Reçois la clé de la voiture. Une nouvelle voiture. Reçois. L'Éternel le fait à quelqu'un. La bénédiction inédite. Que la personne ne le sait pas. Les gens vont commencer par parler de lui. Dans ce mois, les gens vont commencer par parler de toi. Ils vont commencer par t'appeler par d'autres noms. Quelqu'un va rencontrer quelqu'un parmi nous. Il va rencontrer quelqu'un, son histoire va changer. Saint-Esprit. Choisis-le. Tout ce qui est ton désir. Le tia tu es ton âme. Ce mois te le donne. Mais le tia et tu es ton âme. Ce mois te le donne. Mais le tia et tu es ton âme. Ce mois te le donne.
Tu n'as pas et retrouve un bon mari dans ce mois. Quand un bon mari te fera des fiançailles, ce n'est pas ceux qui trompent les gens. Ceux qui vont choisir marier une femme, tu seras son aide. L'Éternel le place sur ton chemin. Ce n'est pas bon que l'on soit seul. Quelqu'un seul, tu ne vas plus te coucher sur ce lit. Quelqu'un c'est ça d'être accompli au nom de Jésus. Il te dit qu'il ne conçoit jamais. Le conçoit au nom de Jésus. On l'a fait pour la concevoir et accoucher au nom de Jésus. On l'a fait pour la concevoir et accoucher au nom de Jésus. Je l'ai pensé pour vous. Le nouveau mandat que nous allons rentrer. Aucune maladie ne va rentrer dans ce mois. Jésus guérit totalement. Aucune maladie va rentrer dans le mois. Aucune maladie va rentrer dans le nouveau mois. Que Jésus te guérisse et que la maladie reste dans l'ancien mois. Tu vas rentrer dans le nouveau mois avec la santé. On te bénit avec la santé dans ce mois. C'est accompli pour ton nom de Jésus. Amen. Dieu n'a jamais rien sur toi, prépote. Qui se brise. Dans ce mois. Ça m'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes à Boga Agbata. Nous allons au Boga Motoa. Arrivé au bord de la route de Kobo. Abéli, tu as dit que l'école privée Pierre et Simon va connaître l'Agbata. Dis à tout le monde que tu vas aller dans l'église qui est dans le fond de l'école privée Pierre et Simon à Boga Agbata. On l'a combien avec des deux rapéa. Tu verras l'ensemble de prière. Au monde, dit le temple du témoignage. Le Christ est un temple de témoignage. Mais au Badibé, à Dumia avec Bédou, il y a un grand groupe WhatsApp. Si tu veux aussi intégrer notre grand groupe la prière sur WhatsApp, à mon ami le plus de 128. Écris-nous tout simplement sur le plus de 128. 91 16 79 24. Vous qui avez choisi faire cette prière du fin du mois dans ce temple, si Dieu ne vous le fait pas, je ne serai pas libre. Amen. Amen. Ne rate jamais la prière du fin du mois. Je ne dis pas de venir ici de prier que tu me bénisses forcément avec quelque chose. Toi-même viens prier que le mois prospère pour toi. Aujourd'hui, finis ce mois. Ça va dire à la fois que ça finit déjà. Déjà demain, éprouve encore Dieu. Il n'y a jamais rien sur toi, Clopote. Qui se glisse encore. Si tu rentres dans ta maison, bon, y a nous menons à deux pots, on dit baglina. Si qu'il n'y a jamais rien sur toi que pote et qui se glisse. Et on l'a décidé de casser le tir. Tu vas dire cette sur moi. Et ça, et ton la vaille maintenant. Tant si t'as pas dû se réaliser. Bon, là, nos vieux débuts, ton la vaille maintenant. Quand quelqu'un pour toi s'est accompli. Voici que les gens m'ont dit là. Acclame Jésus. Amen. Amen.